se lève. Ouh, c'est fort dans mon oreille droite. Donc, oh non, on a déjà besoin d'eau. Sans déconner. On a déjà besoin d'eau. Ouais, je pensais pas. Bienvenue, bienvenue, nous sommes toujours dans le mont Timberwolf avec des loups, des ours complètement cinglés. Nous avons aussi des chameaux, oui je sais, nous avons aussi des chameaux. C'est vraiment un peu un mont un peu étrange quand même, j'avoue. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, alors on a une dernière corde à prendre et après on arrivera donc à l'avion. Ouh, nous avons des bois là-bas. Après nous arriverons à l'avion, mais on va pas le faire maintenant. Je veux d'abord me préparer. Alors peut-être qu'on y arrivera, hein. Peut-être qu'on va avoir le temps. Mais je veux me préparer et être plein en nourriture. On a un loup là. Et être plein en nourriture. Parce que en haut, si je me rappelle bien, il y a rien. Je suis pas complètement sûr, mais je crois qu'il y a rien en fait. Il n'y a pas d'animaux, rien du tout, parce que c'est une petite place en fait, un petit endroit. Donc, voilà. Donc, on va devoir manger ici. Par contre, il nous faut du bois. Donc, on va manger là. Est-ce qu'on a mis du bois de côté? Je me rappelle plus trop. J'étais en train de réfléchir la dernière fois. On a un peu plus, on va dire, foncé cette fois. Genre, on a été un peu plus violent par rapport à la vie qu'on perdait à cause du froid, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est pas si mal des fois. Enfin, on va dire qu'on peut rester à l'extérieur et avoir froid pendant quand même un long moment avant d'avoir une gelure. Après, ça dépend un peu du temps, mais... ouais. Enfin voilà quoi, je sais pas, j'ai pensé à ça et c'est vrai que ça s'est très bien passé. Et on est full vie, à chaque fois on arrive à bien se remettre full vie. Donc c'est pas très très problématique. On a deux, très bien, on va prendre tout ça. Et on va faire un feu juste à côté du cadavre. C'est peut-être un peu beaucoup, non? 23, non, 23 ça va, on a ça, on a ça. On va faire un feu juste à côté du cadavre. Et on va récupérer toute la viande. Je pense que le loup va venir nous chercher, honnêtement, parce qu'il est pas très très loin. Sauf si on reste peut-être accroupi tout le long. On va voir. On va voir, on va voir. Celui-là, là, qui est juste là. À la limite, ce serait pas si mal qu'il vienne nous chercher. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire que ça pourrait être pas si mal. Comme ça, ça nous fait encore de la viande en plus. Ok, très bien. Alors, on va faire ça. 6, très bien. Mince, je peux pas bouger la tête, c'est vrai. Je ne peux pas bouger la tête, je ne le vois pas. Il est où? Normalement, il est pile en face, non? Juste en haut. Et il faut qu'on fasse de l'eau aussi. Il faut qu'on fasse aussi de l'eau. 3 heures. On va déposer ça. Si jamais on en a besoin. On est bon, on est bon, on est bon. On va prendre 2 steaks. On va le faire au couteau. Très bien. Hop. Et hop. 40 minutes. Ok, il a l'air de faire bon. J'ai l'impression qu'on aurait pu... Je devrais pas vérifier, ça va m'énerver. Ouais. On aurait pu utiliser la loupe. Mais je crois qu'on aurait pu on peut utiliser la loupe maintenant. Mais avant, il faisait trop sombre. Ok, donc 30 minutes, là la main, on pourrait utiliser,
La scie, on pourrait le faire, mais bon, on sait jamais encore. Ok, il va falloir qu'on fasse de l'eau aussi. On a quoi encore là-bas? On a du mal à se réchauffer parce qu'il fait quand même froid dehors. Donc on va encore attendre un peu. Très bien. Je pense qu'on va faire de l'eau. Sinon on va avoir des problèmes. Alors, on va attendre avant de manger le deuxième steak. On va aller couper le bois. Je pense qu'on va devoir boire une tisane. Je dirais. Je suis pas complètement sûr, on va voir. Est-ce qu'on peut attendre? Après on peut attendre un peu, mais on va prendre des dégâts parce qu'on aura soif. Ah, et le pire c'est la soif en fait, c'est 2 HP je crois chaque heure dans le jeu. Du coup ça va assez vite. Donc je pense qu'on va se prendre une tisane. Allez, on va se prendre une tisane. On prend ça parce qu'on en a encore plein. Très bien. On va se balader un peu, on va voir si on peut pas trouver un peu plus de bois. À la limite, j'ai envie d'aggro le loup, le faire venir près de nous et le tuer. Honnêtement. Comme ça, on s'en débarrasse et puis... puis ça nous fera plus de viande. J'ai un peu envie de faire ça, en fait. Mais ouais, sinon, on va pouvoir continuer notre ascension. Donc voilà, une fois qu'on sera plein... Normalement ça devrait bien se passer, en plus on a un très beau temps. On va peut-être pas rester très longtemps, hein, genre pour faire des réserves. On va prendre juste ce qu'on a besoin, et une fois qu'on est plein on y va. Des lapins. Ah, il y a un cerf aussi ici. Ah oui, il s'était pas fait attaquer par un loup. Ou c'est un vieux... Non, c'est un vieux cerf ça. Parce qu'on doit aller dans cette direction, donc c'est un peu un problème le loup. Enfin après c'est pas trop grave non plus. Mais... Okay, très bien. On voit ça. Et encore 2 heures, très bien. Mais voilà, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ok. 7 minutes. On a 1 litre d'eau. 1 litre d'eau, ce qui est pas mal. On a aussi un peu des massettes. On va en manger 4. J'en ai pris en plus parce que je me suis dit pourquoi pas. Très bien. Là on est bien ça, avec les 2 steaks qu'on a encore chez nous. C'est très très bien. Ok. Ah, il va sur le... Sur le lapin. Ok, c'est bon, il l'a eu. Il doit être juste là. Alors, on n'a pas froid. Notre ciblage va être précis. On joue. Ok, très bien. Bougez pas. On joue. Voilà.
très bien. J'ai senti qu'elle était un pote aussi. J'ai un tout petit peu senti qu'elle était un pote. la flèche. Je sentais un peu qu'elle était un pote. Donc ça va, c'est bien passé. Très très bien, très positif pour le moment. Il y a encore 23 minutes. Il reste quoi sur ça? Honnêtement, c'est pas vraiment intéressant. On le mettra dans la grotte. On le mettra dans la grotte. Ok, très bien. Hop, hop, hop. Encore 1h30. Encore ça à cuire, ça à cuire. Ça c'est cuit. Okay, il n'y a pas grand chose dessus, on va le finir. Quoi qu'on peut le laisser à côté en fait. On peut le laisser à côté. Qu'est-ce qu'on va essayer de prendre aussi? On peut prendre la fourrure. Parce qu'on a des pantalons et tout ça, donc à la limite on peut prendre la fourrure. Ok, très bien. On va continuer à faire de l'eau. Une heure. On va prendre le lapin. On va prendre ça, ça. Ok. Je crois qu'on va devoir dormir. Il fait pas très froid, donc honnêtement j'ai bien envie de foncer maintenant. Et comme ça, on passera notre la fin de journée en fait dans l'appareil de l'avion, enfin dans l'avion quoi, dans ce qu'il en reste quoi. J'ai envie de faire ça, moi. Enfin, je crois que c'est la dernière corde. Je suis pas complètement sûr. Peut-être pas la dernière. Je pense. Je pense. Ça là-bas. Je l'ai marqué cette grotte ou pas? Je crois pas. Hein. Je crois pas que je l'ai marqué en fait. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas de charbon non plus. On va déposer le bois qu'on a récupéré. Ça en fait hein, des morceaux de bois. Ça en fait. On va déposer les plumes aussi. Pas besoin. Ça on prend pas. Enfin non, les conserves on prend pas. Attendez, ça on va prendre. Non, les conserves on prend pas, ça non plus. On va en poser. On en a encore une ou deux à faire chauffer. On va en déposer 3, on va prendre ça. Le sac de couchage, qu'on le prend maintenant ou pas? Non, parce qu'on va dormir ici s'il fait chaud. C'est un peu compliqué hein, là, c'est un peu compliqué. Parce que j'ai envie de presser les choses parce qu'il fait très bon. Ouais, il fait vraiment pas froid, honnêtement. Ouais. Il faut vraiment qu'on soit en pleine forme pour prendre la corde. Après j'ai le café mais j'ai pas vraiment envie de d'utiliser le café non plus. J'ai posé le lapin? J'ai pas posé le lapin. On pourrait prendre le café, on pourrait faire ça. Ça pourrait être une solution. Ça se passe bien, ça se passe bien. Comme j'ai dit, vu qu'on fait attention et tout ça, ça se passe plutôt bien. Je crois qu'on a assez d'eau. On a même un peu trop d'eau. Très bien. Alors, maintenant on fait un peu le tri parce qu'on est un peu trop lourd en fait. Et je sais pas trop pourquoi. Parce que j'ai pas encore le sac de couchage, donc on a le bois, d'accord. 40 minutes. On va déposer le bois, on va déposer le lapin aussi à l'intérieur.
Et on va prendre le sac de couchage. On va peut-être dormir au pied du... au pied de la corde, ou alors à côté du feu, genre une heure. Comme ça on est prêt. Parce que regardez, il fait pas froid, hein. Il fait vraiment pas froid. Moins 8. Et avec le sac de couchage, on a plus 10 degrés, donc ça passe. Donc voilà quoi. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui, Interland ont débloqué apparemment une branche test. Vous pouvez le... vous pouvez tester la branche test, donc ce qui rajoute en fait sur le jeu directement. Donc vous pouvez être des bêta-testeurs. C'est un jeu qui a déjà 3 ans, qui est sorti depuis 3 ans. Oh là 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 là. Mais bon, c'est là. Si vous êtes curieux. Je sais pas si je vais tester personnellement. Je vais voir s'il y a vraiment des choses intéressantes dessus. S'il y a rien de nouveau, je pense pas le tester. Ça servira à rien. Ça servira à rien. S'il n'y a rien à montrer, ça sert à rien. On va faire ça, jeter deux. Ok. Là on est bon. On a des livres. C'est vrai qu'on a des livres. 0,50 à chaque fois. On a beaucoup d'eau, on a ça. Celui-là on l'a lu, donc à la limite on peut le jeter, on peut le garder là. Celui-là on l'a pas lu, donc à la limite j'ai envie de le garder. Ouais, je pense qu'on peut se débrouiller entre l'eau et la nourriture. Je pense qu'on peut se débrouiller. Attendez, il y a un litre qui est en train de se faire là-bas. On va faire ça. Matériaux. On a vraiment rien noté en fait depuis qu'on avance. C'est vrai qu'à chaque fois j'enlevais le charbon, donc c'est un peu un problème. Mais bon, on va se débrouiller. Ouais, au final on va peut-être dormir dans la grotte parce que là c'est vrai qu'il va faire froid. Il commence déjà à faire froid. À peine moins 7. Non mais on a deux flèches vers le bas alors que tout à l'heure on en avait qu'une seule avec moins 8. C'est bizarre ça. Donc ouais, branche test. Je sais pas si c'est vraiment utile. Et j'ai l'impression que c'est parce que si ils ont créé beaucoup de problèmes depuis la dernière mise à jour, je pense. Et ils doivent le sentir. ...17 minutes. Ah ouais, du coup... du coup, 17 minutes. Est-ce que ça vaut... Si on trouve quelques morceaux de bois, ça passe. Comme ça, on finit les steaks. On n'a même pas besoin de les bouger. On les laisse sur le feu et on va dormir. À la limite. Ouais, c'est bon. C'est très bon. Je crois que ça suffit. Point, point, point. Je sais pas si on voit la corde là. Ok, maintenant, alors ce qu'on va faire, on va mettre un peu de bois pour que les steaks se finissent. On va les laisser, on s'en fout, c'est pas grave. On retourne dans la grotte, on dort dans la grotte. Genre 2 heures au moins. C'est bon. Et on est bingo. On pourra partir. On pourra partir.
je crois bien. Est-ce qu'on va partir la nuit? Je ne sais pas. Par contre, ça c'est vrai que c'est un peu la question que je me pose. On va voir ça. On va voir s'il fait bon ou pas. Surtout ça en fait. Ah, très bien, on va poser... Voilà. Normalement on est bon. Je regarde juste une dernière fois l'inventaire, mais on est bon. On a ça. Ça on va le manger quand on se réveillera. On gardera les deux. On va boire de l'eau. Si jamais on en a pas assez. Si jamais on est trop lourd par rapport à l'eau, ben on en balancera. C'est pas grave. Comme j'ai dit, l'eau c'est pas extrêmement un problème. Après, on a le livre 0,50, si vraiment on peut pas partir avec. Ouais, non, c'est bon, on peut y aller. Après, c'est vrai qu'on pourrait réparer les scies directement maintenant. Je crois que ça serait une chose à faire aussi. Ok, allez, 2 heures. On va voir un peu. J'espère que ça va bien se passer. Si jamais il fait beau temps, même s'il fait nuit, on va monter, je pense, honnêtement. Je pense qu'on va monter. On va voir. Là, on a 3 steaks. On va manger ça. On va peut-être le laisser à la corde, ça, pour éviter d'être trop lourd. Ah, très bien. On prend ça. On est à 41,55. Ouais, le livre nous fait un peu chier, j'avoue. Le livre nous fait un peu chier. Elle passe trop. Elle est quand même fatiguée. Hein. Il fait pas froid, mais elle est quand même fatiguée. Non, on va encore dormir un peu plus. On va encore dormir un peu plus. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que le temps qu'elle prenne la corde. On va être à la moitié peut-être du cercle et ça va être un danger. Donc on peut encore laisser passer une journée, une nuit comme on veut. Donc il n'y a pas trop de problème. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on devrait pas peut-être lire le livre, essayer de lire le livre? Ça fait 5 heures quand même pour passer. C'est un peu beaucoup. Ou lire le livre, ou alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'ai envie de lire le livre. J'ai pas envie de le jeter en fait, le livre. J'ai pas envie de pas le lire, parce que c'est pour créer des balles. Alors après, est-ce qu'on va en faire un jour ou pas? Je sais pas en fait si on va trouver les objets pour, mais... Mais ouais, j'ai bien envie de le faire. De pouvoir lire en fait. De pouvoir monter le niveau. Yes, parfait. On a monté le niveau ou pas? Non. Je sais que ça sert pas à grand chose pour nous, hein. Comme j'ai dit, hein, ça sert vraiment pas à grand chose de faire ça. Ah, mais voilà, hein. C'est pour pour avoir les skills. C'est vraiment juste pour ça. Et puis de toute façon, ça nous fait passer du temps. On utilise de la nourriture et de la flotte. Ah, du coup, on n'a pas. Ça va être moins lourd. On est à combien? On est presque à 4 pour faire les munitions. Voilà. Donc on va voir comment on se réveille, s'il fait bon ou pas. Je voudrais bien qu'il fasse peut-être une aurore boréale, ce serait cool. D'accord. D'accord. Voilà. Bon, c'était pas prévu que ça soit comme ça, mais bon, c'est sympa aussi. C'était pas trop prévu. Est-ce qu'on peut rafistoler des choses? 83, 87, 83. Ah mince, c'est vrai.
Bon, on va attendre que ça passe, hein. On va attendre que ça passe. Ah bah là, l'eau, elle sera bien, hein, parce qu'on n'a plus rien. Enfin, on aura quasiment plus rien. Là, on va pas avoir de problème de poids par rapport à l'eau, hein. Que je vous dise, tant mieux. Bientôt jour, on va encore un peu perdre du temps à faire ça. Okay, très bien. J'ai l'impression, je pense qu'on va faire. Il y a aussi un truc, quoique non, maintenant là ça va, le niveau poids, on est bon. Mais c'est ça, c'est les champignons, on en a 26. Ce qui est quand même beaucoup. Hein, ce qui est beaucoup. Donc. Donc ça prend du poids. Eh oui, donc ça prend du poids. Ok, on est en pleine forme. On est en pleine forme. Le bruit de la cascade, hein, je veux pas dire, c'est un peu chiant. C'est très très fort à droite. Surtout à droite. J'ai l'impression que le temps se calme. J'ai l'impression que le temps est bien. Ok. Je sais qu'il fait froid, mais on va y aller. Je sais qu'il fait froid. Ah, au final on va être juste, hein. Au final on va être juste, hein. On va faire ça. J'ai balancé le livre. Yes. Ok. Ah, je pourrais virer ça aussi. Non, c'est bon, on fera de l'eau en haut. Allez, on y va. Eh, ça s'est vite calmé parce qu'il faisait très froid. Maintenant, ça a l'air d'être... ouais, pareil au même. Allez, on y va, on avance. Je voudrais bien passer... Non, si... non, ça va prendre trop de poids. Non. Je voulais prendre des charbons pour aller dessiner. Ça aurait été cool. Ça aurait été pratique. Un jour, il faudra y retourner ici, peut-être pour faire la carte, mais... plus léger. Parce que là, c'est vrai qu'on y va un peu mastodonte, quoi. Parce qu'on doit récupérer plein d'objets, on doit ouvrir les frettes, etc. Honnêtement, une scie, ça suffit complètement. Enfin, quoique, en haut, on va en avoir beaucoup à ouvrir. Donc, au final, peut-être que. Peut-être qu'on va lutter. C'est quoi ça? Des caisses? C'est quoi? Des caisses en bois ou des caisses à ouvrir? Ou des boîtes? Attendez, la corde, elle est où? Ah, la corde est là. Je crois qu'il y a des caisses à ouvrir. Une, non, c'est pas... Non, c'est une caisse en bois, ça. Caisse en bois, carton... Ouais, ok. On y va, on y va. On y va. vu la hauteur, c'est possible qu'on ait encore une corde à prendre. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Pour moi, dans ma tête, il y en avait un peu moins. Mais au final, je crois qu'il y en a un peu plus que ça de corde. Ok, let's go. Voilà, je pense qu'on peut le faire en une fois. Ouais, c'est bon. Mon Timberwolf, faudrait pouvoir dessiner, ça serait bien. Enfin, tout en haut, je veux dire, il sera tout au moins. Bah du coup, on va commencer à faire ça. Oh, il y a pas une... c'est une grotte, ça. Attends. C'est une grotte, ça, ou pas? Une grotte qu'on peut pas atteindre de ce côté-là, non?
Si, c'est une grotte. Ouais. J'ai l'impression qu'on n'est peut-être pas censé y accéder de ce côté-là. Ouh. Ouh, ouh, ouh. Je sais pas si ça va vraiment nous aider. Oh, waouh, c'était quoi ça? Je sais pas si ça va vraiment nous aider de passer dans cette grotte là. Est-ce que ça vaut le coup? En plus on voit rien. On voit rien. Qu'est-ce qu'on fait? On peut se réchauffer, c'est déjà bon signe. Ouais, je pense qu'il y a encore une corde à prendre. Quasiment sûr qu'il y a encore une corde à prendre. Par contre, est-ce qu'on l'a fait la grotte? Je suis curieux. Le temps qu'on se réchauffe peut-être? On part à l'aventure? On part à l'aventure, le temps de se réchauffer, on verra où on tombe. Parce que je sais qu'il y a des galeries de grottes en fait, qui tombent sur différentes parties de l'avion, mais c'est très peu, il y en a peut-être une ou deux, voire maximum, grand maximum. Parce que les parties d'avion où il y a des caisses de fret, là, des cargaisons de fret, on les a plus ou moins tous fait. Il y en a peut-être une à récupérer, mais il faut passer une grotte, donc c'est peut-être celle-là. Peut-être, peut-être. Donc on va voir. Et vu qu'on doit se réchauffer, pourquoi pas. Il n'y a pas de charbon, par contre j'aurais bien voulu un morceau de charbon. La grotte elle est quand même bien, bien grande. Droite ou gauche? Là, je crois que c'est une salle. Il y a la lumière qui passe. Ah, il y a du charbon quand même. J'ai vu un charbon. Non, mais je crois que c'est la salle qu'on a vue. Donc ça doit faire un cercle en fait. Ouais non, là c'est la sortie, c'est bon. On est bon, on est bon. Ok, on veut garder ça sur nous. Ah, déjà. On va essayer de garder la torche parce qu'on va sûrement devoir faire demi-tour. Ouais, c'est pas là où on doit aller, c'est vraiment pas là. On voit. Pas extrêmement froid. Où est-ce qu'on est ? Attendez. Honnêtement, je sais pas où on est, on va rentrer. Je vais juste regarder là en bas et après on rentre. J'aime pas trop comme ça prendre des grottes et ne pas savoir vraiment où on va. Faudrait pouvoir dessiner en fait. Alors là on va pas s'avancer parce que sinon on va plus pouvoir monter. Non, non. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de se perdre. Parce qu'on est tellement proche du sommet et tout. Et tout ira mieux en fait quand on sera au sommet. Donc ça vaut vraiment pas le coup de se perdre.
On va garder... On est un peu lourd, par contre. 41, non, ça va. À peine. À peine 40-79. D'accord. Je pensais qu'on était déjà à 43, 44. On va tourner à droite cette fois avec la salle. Enfin, non, maintenant du coup c'est tout droit, ok. On va voir s'il n'y a pas des choses à fouiller. On a encore du charbon, on va pas tout prendre non plus. On pourra faire du feu. Ah, attends, il y aurait plusieurs... Non, il n'y a pas plusieurs passages. c'est quoi? C'est dépecer vos proies? On n'a pas besoin, on peut pas le lire. Bon, un truc qui est bien, c'est qu'on a plein de charbon, on n'a pas besoin de récupérer pas du bois. Et on va pouvoir faire de l'eau. Faire de l'eau. Par contre là on s'est réchauffé, j'ai... ce qu'on pourrait faire c'est dormir, faut trouver déjà la corde pour être sûr et on pourrait dormir, ou alors on peut dormir juste avant de sortir de la grotte et dès qu'on trouve la corde on la prend et on monte. J'ai peut-être envie de faire ça, comme ça on sera directement à l'avion et on dormira à l'avion. Une fois qu'on est à... Oh, j'avais pas vu ça. De toute façon, une fois qu'on est à l'avion, honnêtement, on est plus ou moins, on va dire, tranquille. Parce qu'il y a plein d'endroits, en fait, pour se cacher du vent. Donc, c'est pas trop, trop un problème. Après, je sais pas s'il y a une grotte, je me rappelle plus. Je pense pas. Mais dans l'avion, on devrait pas avoir de problème. En plus, il y a plein de caisses en bois aussi. Donc, à la limite, on peut casser les caisses en bois. Et faire du feu, donc voilà. Et avec de la chance, on trouvera des choses intéressantes aussi avec les caisses de fret. Donc voilà, si on pourrait être là-haut, maintenant, je dis pas non. Je dis pas non, on va peut-être se reposer maintenant. Attendez, elle est où la sortie? La sortie doit être juste là, elle doit être juste là. Ok. Ah, direct, ça fait sombre. Alors on va faire ça, on va manger ça, je crois qu'on va devoir laisser le livre, quoique honnêtement on est très bon en poids, hein, honnêtement, enfin je dis ça mais on va devoir quand même laisser le livre, comme ce que j'ai dit, ouais, on va laisser le livre, 2 heures, ok. Et oui, il faut laisser le livre, parce que sinon, là, on va pas passer. Ça va être un problème. Comme j'ai dit, on a toujours le café de côté. C'est vraiment pour l'économiser au maximum. Ah non, attendez, j'ai pas pris le sac de couchage. Ouh, j'avais pas compté le sac de couchage. Non, non, on n'est pas bon du tout, en fait, en poids. On n'est pas bon du tout, on a 3 kilos de trop. Donc, faut qu'on regarde le feu. Alors, déjà... ça pour allumer un feu. Après, on a le charbon qui fait 1,50. Ok. Ah, elle est pas super en forme, en fait. Je crois que ça passera. C'est beau. Ah, on a le jeune érable aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On le pose, le jeune érable? Je sais pas. Ok, on a du bois un peu partout. On a des champignons. On devrait avoir quelqu'un. On devrait trouver la corde. Donc la corde devrait être de ce côté-là. Je pense que là-bas. On va voir. Oui, elle est là-bas, je l'ai vu. Je la vois. Est-ce que c'est une grotte, ça? Ah bah tiens, on aurait pu...
On a pu mettre tout le bois ici en fait. Il y a une corde. Il y a un livre de feu. Très bien. Attendez, si je dis pas de bêtises, je crois que la... Ah, tu vas pas sécher là. Je crois que la corde, on peut la placer directement. Il y a là une corde qui monte, il y a une corde qui descend en fait. Je crois que cette corde là, elle y est toujours et c'est pour la placer directement. On va voir. J'ai un peu peur qu'il y ait quelque chose là. Genre là. Non, j'ai l'impression qu'il y a rien, ça va. Il nous faudrait un rocher. Ah bah il est là en fait le rocher. Très bien. Voilà. Donc là, du coup, on retombe. Oui, on était passé, on était monté comme ça en fait. Hop, 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 hop. Donc ça nous fait une sorte de petit raccourci avec la corde. C'est honnêtement pas énorme énorme, mais c'est un raccourci quoi. Donc il n'y a pas de grotte en fait. Enfin si, si, il y a l'autre côté. Ok, j'ai envie de dormir encore une heure. Est-ce que le temps nous permet de dormir ici? Moins 11 plus 10 ressenti. C'est un peu la merde. 39,99. La blague. On va manger ça. On va boire ça. Okay. Non, faut qu'on dorme. Non, 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 non. C'est une grande corde, il y a deux stops. Non, 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 non. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. On va devoir prendre du café entre les trucs, sinon. Et je préfère commencer bien, et puis après, on prend le café. Par contre, est-ce qu'on peut se reposer là? Est-ce qu'on peut se reposer là? Ah, c'est embêtant. On pourrait... On pourrait utiliser le café, hein, mais... Je préfère le garder quand même. Est-ce qu'on peut se mettre là sans problème? Ok, c'est un peu mieux. C'est pas l'idéal, en fait, il faudrait aller dans l'autre grotte où, on est en intérieur. Ça serait nettement, nettement mieux. Ça serait nettement mieux. Ok. On va dormir encore une petite heure. Et on y va. C'est pas grave. Je sais pas si on peut le faire en une fois. Non, on peut pas le faire en une fois. On va s'arrêter au deuxième cran. Je crois. Ça va dépendre un peu de la... Premier ou deuxième cran. Enfin, corniche, quoi. Je sais pas trop. Je sais pas, on va voir. En plus on a soif, ce qui est bien si jamais on a besoin de café. Premier cran. On va s'arrêter au premier cran. Ok, croisons les doigts, c'est le moment. Allez, dépêche.
Ouais, non, on va s'arrêter au premier. Parce que c'est quand même bien, bien grand. Ok. Très bien, protégé du vent en plus. Ok. Est-ce qu'on a vraiment besoin de café? Honnêtement, je pense pas. Si on était là, à la limite, je prendrais du café, mais on n'y est pas. Donc... Allez, là, on s'arrête pas. Non, on est bon, on est bon, on est bon. Mission accomplie, je crois. Sommet. Ah, c'est bizarre ça. Faudrait voir s'il y a un endroit pour se mettre à l'abri. J'ai jamais vraiment regardé les côtés. Ah, là-bas. Ça. Je crois que c'est une grotte, ça. On arrive à bien les distinguer quand j'ai l'habitude. Je suis quasiment sûr. Vu la teinte et tout ça. Je dirais grotte. On va voir. Oui, c'est une grotte, ça. Il nous faut de l'eau. Il nous faut de l'eau. Ouais, parfait. Parfait. En plus, t'as une corde. Je vois pas pourquoi t'as une corde, en fait, mec. Pourquoi y aurait une corde? On n'a pas besoin de corde. Ça, c'est très bien. Ok, alors attends. Parce que est-ce que ton feu... Ouais, ton feu, il est à l'extérieur, donc ça sert à rien. On va faire de l'eau, d'abord. Je crois. Oui, parce que on va mettre du temps à fouiller. On va mettre du temps à fouiller tout ce qui est fret et tout ça, et on va avoir soif et ça va être un problème. Donc j'ai pas envie de taper dans les réserves de comment ça s'appelle, de thé et tout ça. Parce que bon, comme j'ai dit, peut-être qu'il y aura rien du tout dans les frettes. Donc, on sait pas quoi, on sait pas. Donc je préfère le faire comme d'habitude, pas besoin de se presser. De toute façon, y a rien qui nous presse. Y a rien qui nous presse. Très bien. On va peut-être même faire des tisanes. Peut-être même faire des tisanes. Donc on a un livre, je crois que c'est avancé, donc c'est 10 heures. 25 heures. 25 heures, ah, c'est cool, ça c'est cool. Et après, on a le feu. On pourrait aller au niveau 5, je crois, avec ce livre. On va voir, on va mettre le... attendez, qu'est-ce que je vais faire, moi? Ça. Non, on n'a rien à faire. On va mettre l'eau à bouillir directement et après, on va lire une heure. Je veux voir si on arrive à pas perdre l'eau qui est en train de bouillir. Vous avez vu, j'ai pas vu d'animaux, donc on va devoir faire attention aussi à nos réserves. Ah, c'est des médicaments qui sont morts. On va faire attention à nos réserves. On va d'abord boire déjà, ce sera just fait. Très bien. Alors, vite. Je sais pas si ça passe en fait. Ah merde! Oupsie.
Attendez. Ouh. Oh, c'est pas grave, on a un 4. Ouais, non, ça va. Je pensais que... Oui, j'avais pas vu que le feu allait s'éteindre. Par contre, du coup, on sait pas si... Est-ce que l'heure est passée sans perdre l'eau? Ou alors, est-ce que le feu s'est éteint et du coup, ben, l'eau s'est pas évaporée, quoi. Vu que le feu était éteint. Je sais pas. Ah, il commence à faire un peu nuit, par contre. Est-ce qu'il y a des animaux? Normalement, non. C'est pour ça que c'est un peu dangereux ici. Pour survivre. Ah, ça, c'est la partie qui nous intéresse. Je regarde si là, il n'y a pas quelque chose à récupérer. Je pense qu'il y a des carcasses. Ou alors des cadavres, peut-être. Ça, c'est l'aile. Bon, le bois, on va pas avoir de problème. Après, comme j'ai dit, on a des champignons, donc on peut faire des tisanes à foison. On a plein de bois. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Allez, on y va. Oh waouh. Vous voyez quasiment rien. Donc on y est. On est à l'avion. Notre aventure, notre excursion pour le Mont Timberwolf est fait. Il s'est solvé par un succès. J'espère qu'il va faire chaud à l'intérieur. J'espère vraiment qu'il va faire chaud. Section de queue. Bienvenue. Ça va, il fait pas trop froid. Alors déjà, on peut faire ça. C'est pas mal. Ok. Attendez, j'ai vu, c'est des bombes. Ok. On va faire ça dans l'ordre. Bon, on va peut-être ouvrir ça déjà. Normalement, il n'y a rien. Ah si, il y a un pistolet de détresse. Ah, yes. Donc on a récupéré un pistolet de détresse. Je pensais pas qu'on allait pouvoir le faire. Il fait combien? Il fait froid quand même, hein. Il fait froid, hein. On va tout ouvrir et après on va rentrer dans la grotte. Faut que je fasse attention aussi. On va avoir un peu froid, mais c'est pas très grave. Ok, rien du tout. Là, il y a une caisse par-dessus, il n'y a rien par terre. Si jamais les scies sont trop bas, on va devoir aller les réparer et on ira dans la grotte. J'ai pas vu grand chose d'intéressant. Peut-être pour le cuir à la limite. Ouais. 47 kilos. On est déjà à 47 kilos. On va aller dans la grotte. On va aller dans la grotte. Il fait trop froid. Parce qu'on est déjà à 47 kilos, si on va commencer à être à 50 et tout ça, on va être ultra lourd. On va mettre 3 heures à rentrer dans la grotte. Donc ça va être une catastrophe, donc je préfère rentrer maintenant. Je pense quand même on va peut-être s'arrêter là, on va voir. Et on explorera le reste de la demain. Enfin, la prochaine fois quoi. Ah, je suis content.
Je crois avoir vu donc qu'il y a un cache-oreille. Alors celui-là, oui, on peut le garder sur nous et le... On va dire le chérir parce que c'est quand même rare ces objets. Après pour les chaussures, j'ai vu des baskets et tout ça. À la limite, c'est bien pour le cuir. Pour les vêtements, après le reste, c'est pas vraiment intéressant. Tout ce qui est parka et tout ça, on s'en fout. Donc bon, on a fait deux frettes. Il y en avait un qui était complètement vide et l'autre avec quelques vêtements. C'est pas si mal. Pour le moment. C'est pas si mal. Faut qu'on balance aussi tout notre bois et nos charbons aussi. Elle est où la grotte? Voilà. Après, il fait combien? 14. J'imagine que dans l'avion, il fait un peu plus chaud, donc on pourrait peut-être dormir. Mais bon, le mieux, ça reste la grotte. Hein. Je veux pas dire, mais... Voilà. Directement, plus 14, quoi. Y a pas photo, quoi. On est bien comme ça. On est bien comme ça. Alors... Je compte... Ah oui, c'est vrai qu'on a... Oui, on a aussi le pistolet de détresse. Est-ce que c'est bien? Honnêtement, je n'en sais rien. J'ai l'impression que ça va être aussi un objet qu'on va jamais utiliser. Parce que c'est un objet super rare, donc du coup on va jamais l'utiliser. Ah, très bien. Okay. On va se poser là un peu deux secondes. Alors on va regarder un peu l'inventaire, ça va être le moment inventaire. Alors, donc, on a ça. On peut pas le réparer s'il fait nuit. D'accord. Je vois pas pourquoi. Pff, je sais pas. 99%. On pourrait même mettre le deuxième. Mais du coup, après, on perdrait le bonus. Donc, on en a deux. Donc, ça, c'est bien. En plus, c'est pas, c'est léger. Donc, ça, c'est bien. Les chaussettes, donc, ça, c'est tout mort. Ça, c'est tout mort. Ouais, comme j'ai dit, ça, recycler 1h15, ça nous fait 2 cuirs. Je crois qu'on avait... Oui, un veste de ski aussi. Veste de ski. Ça, c'est du tissu, 20 minutes, recyclage. On a ça, ce qui est pas mal. Je sais pas pourquoi on peut réparer des fois, non. Je comprends plus rien. Non. Ce qui est pas mal, bah tiens, il est passé à 100. Portée. Huh. Ouais, parce que lui, il est tellement en mauvais état, en fait. Mais bon, après, je crois qu'on va... Attendez, le poids. On est à 42,05. 42,08. Bon, c'est très minime, hein, mais vous voyez que le fait de ne pas le porter, en fait, ça va peser plus lourd, du coup, dans l'inventaire. Donc, on va rester comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc, le fusée, c'est 0,40. Et on a 8 flares, 8 fusées de détresse. C'est pas mal, c'est inutile, mais c'est pas mal. Après, on a le livre. Attends, mais c'est la nuit, là! Ou alors c'est une aurore boréale invisible, c'est ça? Je comprends plus rien, là. Je comprends. C'est moi qui pète un câble, qu'est-ce qui se passe? Y a pas d'aurore boréale, hein? Ou à moins qu'on les voit pas sur le Mount Timberwolf. Putain, je vois quasiment rien. C'est très très bizarre. C'est très très étrange. Enfin, bref. Oh, 42 kilos. Il faut qu'on boive. Elle est fatiguée. On va dormir, je crois.
On va déposer les affaires qu'on a trouvées. Ah oui, ça aussi. C'est vrai qu'il y a deux paires. Il y a de marche et de travail. J'avais pas fait attention à ça. On va mettre des affaires là. Chaussettes en laine. Hop. On pourrait passer par là aussi, ce serait un peu mieux. Ok. Ça, on le garde sur nous et ça, on le garde sur nous. Ok, on va dormir et la prochaine fois, on finit de fouiller l'avion. Ouais, on est à 37,70. On va même laisser le sac de couchage ici. La prochaine fois, on finit de fouiller l'avion. Comme j'ai dit, la nourriture va être un problème si on ne trouve rien. Ou alors, faudra vite partir. On verra ça. Là, il nous reste... il nous reste rien, c'est bien. Ça va vite, hein? Ça va vite. Mais voilà, bonne aventure. On est arrivé au sommet. On est arrivé enfin au sommet, donc on est là. Non, ouais, on peut juste descendre et après on sera tranquille en fait. On arrivera directement à cet endroit-là par exemple. Je crois que même qu'on peut descendre comme ça en fait, directement. Et on peut directement partir. Bon, par contre, comme j'ai dit, on avait laissé des choses dans les grottes. Je sais pas si ça vaut le coup d'y retourner. Je dirais que oui quand même. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est genre peut-être partir et après faire une remontée au Mont Timberwolf pour récupérer ce qui nous manque et après repartir encore une fois. Genre faire des allers-retours, faire deux allers-retours. Parce qu'on va être chargé. Si on veut remporter, enfin si on veut transporter des choses dans des frettes qu'on va avoir à ouvrir la prochaine fois, on va être obligé de faire deux allers-retours parce qu'on va sûrement avoir beaucoup d'objets. Enfin bref, on va dormir. Bon voilà, on va dormir une dizaine d'heures et après on continuera. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je suis content, notre petite excursion en fait du Mont Timberwolf a bien fonctionné. On a le flare gun qui est un peu inutile pour nous, mais on l'a. Et puis on a encore des choses. Peut-être qu'on va avoir des bonnes surprises en fait dans les frettes qui nous restent. On verra ça la prochaine fois. Ciao ciao.